Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter une arme de niveau rare ou supérieur à un personnage ou dans un distributeur automatique. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec les emplacements des distributeurs automatiques et les emplacements des personnages qui vendent des armes. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit d'aller au camp Cuddle juste ici parce que vous avez la possibilité d'acheter directement dans un distributeur automatique ou alors à un personnage. Par contre, le distributeur automatique est juste ici. Ouais, voilà, il est juste là normalement. Donc voilà, on le voit. Donc c'est un distributeur d'armes. Mais c'est très important, il faut que l'arme soit de niveau de rareté rare ou supérieur. Donc ça veut dire que le niveau de rareté doit être bleu minimum, voire violet comme celui-ci, épique, ou voire or pour valider le défi. Et dès que vous aurez acheté une arme de rareté rare ou supérieure à un distributeur automatique ou à un personnage, donc là par exemple, je peux aller près du personnage expert décalin, et vous allez voir que quand je vais aller près d'elle, elle va me proposer une arme exotique que je vais pouvoir acheter. Et les armes exotiques, c'est aussi des armes qui sont plus hautes que le niveau de rareté rare. Donc attendez parce que... Allez, c'est bon. Donc là, regardez, je parle à l'expert décalin. Et là, elle me vend un 6 coups d'élite. Donc c'était la mauvaise image au début, mais elle me vend un 6 coups d'élite exotique. En plus de ça, elle peut me vendre un fusil d'assaut de tracker contre des lingots d'or épique aussi. Donc voilà, les personnages, je pense qu'ils peuvent même vous vendre des armes. Donc en vrai, je vais même sur l'image que je vous ai... Je vais vous mettre en début de vidéo, je vais vous mettre tous les emplacements des personnages parce que ils peuvent vous vendre des armes aussi. Donc vous aurez juste à rejoindre soit un personnage ou soit un distributeur automatique pour réaliser le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulomec et ciao. Peace. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh. I'm Nick, I'm Nick.